Et le département de culture à notre siège, le siège du journal L'éléphant déchaîné. Nous vous avons convié à ce point de presse en raison d'un certain nombre d'événements qui se produisent dans le milieu de la presse depuis la date du 16 janvier 2014, date à laquelle la décision rendue par le CNP dans le cadre d'une affaire qui me posait à deux confrères, notamment Traoré Moussa et Alassé Ouattéli. Depuis cette date, vous avez plus ou moins entendu parler de l'affaire avant cette date, mais officiellement, c'est à partir du 16 janvier que vous avez su qu'il y avait une procédure qui avait été engagée contre des confrères et que le Conseil national de la presse faisait une enquête avant de rentrer à l'étude. Effectivement, a été un officiel et tous nous savons sa teneur. Depuis cette date, j'avais décidé de maintenir le contenu de la décision qui avait été rendue par le CNP et de ne pas faire d'autres commentaires dans mon organe de presse. Et donc les choses se passaient ainsi jusqu'à ce que je sois invité à une émission sur le stagiaire. Hein, le 1er février, je suis pas à cette émission. Et puis plus tard, ça va venir aussi à cette émission. Mais on va revenir en détail sur toutes ces choses. On va commencer par l'affaire de la plus récente, qui est celle de Guillaume Bateau. Guillaume Bateau qui a fait un point de presse le samedi dernier, au cours duquel il a fait vraiment montre de ses talents d'injurieux public. Les confrères ont repris certains de ses propos. Leur serviteur fidèle, Cyril Bakoné, qui tient un site de qu'on appelle Le Point, dont il est lui-même pratiquement le seul visiteur, a transcrit fidèlement ses propos de Guillaume Bateau sur ce site-là, en disant affaire à travers le mot Guillaume Bateau, c'est le journaliste Napsi, c'est un menteur, un affabulateur, un mégalomane. Au vu de tous les faits que je recevais par rapport à cette affaire, j'ai décidé de convoquer un point de presse pour dire ma part de vérité en ce qui concerne la décision qui a été rendue par le Conseil national de la presse. Vous savez que le Conseil m'a donné un avertissement. Un avertissement parce que je n'aurais pas apporté les preuves nécessaires contre les affiliations que j'aurais faites contre Guillaume Bateau. Et j'aurais accusé d'avoir tenté de me corrompre. Donc, j'aurais voulu mes propos concernant cette affaire avec tous les détails pour que vous ayez une idée fixe de ce qui s'est réellement passé et pour comprendre pourquoi Guillaume Bateau aujourd'hui célèbre sa victoire sur tous les toits et m'insulte dans tous les siècles. Donc, je vais commencer par le propos de lui-même. Le point de presse auquel je vous ai convié va s'articuler autour de trois points principaux. Hein. Donc, c'est l'affaire de Guillaume Bateau contre la famille de Mokou. Parce que c'est la vraie nouvelle intitulée. Ce n'est pas la famille de Mokou contre Guillaume Bateau. Moi, je n'ai pas porté plainte contre Guillaume Bateau. C'est Guillaume Bateau qui a porté plainte contre la famille de Mokou. Donc, ce n'est pas l'affaire de la famille de Mokou contre Guillaume Bateau comme je l'ai lu dans certains journaux. Ensuite, au deuxième point, nous allons revenir sur l'affaire Traoré Moussa. Hein. Et là, c'est ce qui s'est fait à parler de Moussa contre Traoré Moussa et à la fin de la dans l'affaire précis. Et puis enfin, au dernier point, on va revenir sur les menaces d'atteinte à notre intégrité physique qui pèse sur nos têtes et sur le siège de l'organe de presse dans lequel vous êtes aujourd'hui. Alors, affaire Guillaume Bateau contre la famille Tchimoko. Je voudrais, et vous l'avez donc deviné, commencer par cette affaire parce qu'elle fait l'objet du développement récent. Et vous avez sans doute tous appris que Guillaume Bateau, et lui de Côte d'Ivoire, qui est de Pilot, a organisé un fonds de presse le samedi 29 mars, fonds de presse au cours duquel il a fait appel à ses talents des grands consulteurs devant le PNL. Pour ceux qui ont raté ce grand moment de chute,
Et je voudrais vous rappeler que les énergies chroniques n'ont jamais rien signifié de la marque d'énergie vulgaire et la perte du contrôle de soi. Voilà ce que Monsieur choisit. Et c'est Dieu qui parle, et puis le secteur de prêtre. Il dit, après que Kéneko est un affabulateur, double et menteur. J'ajoute aujourd'hui, un mégalomane qui s'est retrouvé dans un extrême milieu où il n'aurait jamais dû être, et qui pense que parce qu'il est financé par des mains ou tous, il peut se permettre avec l'égalité de porter atteinte à l'honorabilité de nos citoyens de façon impunie. Chers confrères, voilà un homme qui dit que j'ai porté de l'accusation contre eux à son encontre. Et pour expliquer cela, il s'oublie lui-même et débite de l'accusation qui aura beaucoup de mal à prouver quand des personnes assermentées lui poseront la question. Parce qu'il dit qu'il est financé par des non-tuts. Les non-tuts, chacun d'entre nous connaît une forme de l'expression. Ça peut être la mafia, ça peut être des réseaux de prostitution, ça peut être enfin un peu plus de cette expression. Il affirme que je suis financé par des mêmes étudiants. J'imagine que cette affirmation elle est suivie d'une grande enquête et qu'il a faite, et comme il peut le faire, et que généralement, il va nous apporter la preuve. Poursuivons avec les insultes. Et puis, après qu'il n'a pas de preuves, il a menti. Il a affirmé des choses de façon légère et gratuite. Et je voudrais que l'opinion retienne que M. Kéneko est un menteur. C'est un menteur et il s'est attaqué à moi sans fondement, sans raison. Par méchanceté, pour tenter de se donner de la force. Tout ce que M. Kéneko a dit est mensonge. C'est un montage que ce monsieur a fait pour se donner de la force. Et je dis la vérité est claire. Devant le Conseil national de la presse, qui est l'organe de régulation, l'institution morale qui est de l'inspecteur, le monsieur a été incapable d'apporter la moindre preuve. Tout ce qui a été dit est de la population pure et simple, de la part d'un individu, en manque de publicité. Il pense pouvoir se faire un nom en s'attaquant au SIAPI et à son secrétaire général. Si c'est clair aujourd'hui, je me réserve le droit de poursuivre les travaux que nous faisons devant les tribunaux. Et voilà le passage que moi-même j'affectionne personnellement. Et lui, à parler que nous n'a pas de preuves, c'est un menteur, c'est un affabulateur, c'est un également une tiers qui s'est trompé de métier. Et je pense que toute la presse doit se solidariser pour que ce métier retourne là où il doit être. C'est-à-dire une blague. Donc, Guillaume Bateau, chers confrères, puisqu'il est le secrétaire général de l'Institut de la dirigeant très syndicat qui appartient à cette unité, il va vous demander de vous solidariser pour que je sois extrait de la corporation et ramené au village et le plus que je continue de sévir contre ceux qui salissent la profession. J'avoue qu'en matière d'insultes, ce petit bonhomme est très fort. Et le matin, c'est vraiment fait qu'en disant cela, je ne suis pas, puisque nous avons quasiment la même taille. Comme quoi, lorsque deux petits bonhommes sont indifférents, le second se transforme en insulteur public. Je pense que dans cette affaire, celui qui soit une belle publicité, c'est bien, avec mon nom, c'est bien Dieu Ndako. Parce qu'en dehors, Dieu Ndako, après les patrons de presse, avec son titre de secrétaire général du Sénat, alors qu'il est dans le milieu de la presse depuis 20 ans et qu'il était capable de créer sa propre entreprise de presse. Il n'était pas ce qu'il représente comme référence en matière journalistique en Côte d'Ivoire. Aucun m'attaquant à lui, cela me passe de la publicité. Mais bon, je ne vais pas lui faire plaisir en pensant maladroitement de les gagner en termes de suite. Revenons donc au sujet sérieux. De quoi s'agit-il de cette affaire? C'est le TPG. Il est la tête en tant que chef de. Merci. Le 3 février 2014, M. Guillaume Bateau, non, écoutez, c'est vrai, le 3 février 2014, M. Guillaume Bateau a servi le Conseil national de la presse au motif qu'il a accusé d'avoir tenté de me prendre. Dans une affaire qui s'est aussi déroulée en novembre 2013, il a demandé au Conseil de m'entendre et de lui demander d'apporter les preuves de l'accusation que j'aurais portée contre sa personne. Le 11 février, j'ai été attendu par le Conseil et j'ai expliqué n'avoir jamais accusé M. Guillaume Bateau d'avoir tenté de me corrompre. Mais que dans un courrier que j'ai adressé à une connaissance hors du pays dans le cadre de l'affaire tentative de corruption, j'ai cité son nom en faisant une déduction
mais son attitude parfaitement timide à mon égard. Le même courrier, je l'avais envoyé par mail à certains confrères en les priant de ne pas le publier. Et donc, si j'estimais que M. Dominique avait passé de mes comptes, je n'aurais pas hésité à porter ce conflit. J'ai vu que cet homme m'a harcelé pendant plusieurs jours au téléphone pour tenir un rendez-vous avec moi. Et c'est à la suite de ce rendez-vous à mon bureau le 15 novembre, alors que j'avais donné mon accord pour une rencontre avec un grand frère qui l'aurait envoyé pour obtenir une rencontre avec moi, Dieu Bato avait promis de m'appeler 2 heures plus tard. Mais pendant 2 semaines, je n'ai plus de ses nouvelles. Après ce rendez-vous. Et cela s'est passé dans un contexte où, depuis le mois de juin 2013, nous avions ouvert une enquête sur des formations qui faisaient état de ce que des personnes, dont des journalistes, s'envoyaient auprès de certaines autorités ministérielles et des autorités générales de sécurité, à qui elles déclaraient qu'elles venaient de ma part pour récupérer de l'argent et que ce serait utile à payer pour que mon journal les laisse en paix. Donc il y avait une enquête qui était en cours depuis le mois de juin, tout est rigoureux. Dans le cadre de cette enquête, d'ailleurs, ils avaient convoqué l'ancien de cette publication de l'éléphant de Chenet devant le CNP, puisque son nom avait été publié. Mais il l'avait convaincu qu'il était ni de près ni de près impliqué dans cette pratique. Et aucune sanction n'a été prise à son encontre. Donc, c'est ce que j'ai expliqué au conseil. Je n'ayant pas accusé Dieu Bato d'avoir tenté de me corrompre, je n'avais pas de preuves à apporter pour payer cette accusation. C'est ce que j'ai dit au conseil. Après cette audition, et après celle du plaignant, je m'attendais à ce que le Conseil national de la presse organise une confrontation entre nous deux, comme ce fut le cas dans la première affaire, afin que Jim Bakou, en fait, m'explique les raisons réelles pour lesquelles il est venu à mon bureau le 15 novembre, alors qu'avant cette date, lui et moi, jamais, ni la présentation directe, ni la présentation directe, la vie a changé. Parce que c'est l'explication a posteriori. Sous les raisons de sa présence à mon bureau, tant dans les jours que devant le CNP, me paraissait parfaitement extraordinaire. Et j'avais dit au conseil à ce propos, j'ai eu raison d'avoir enlevé M. Dieu Bato, parce que dans le jugement, c'est toujours toute la vérité. Car entre la rédaction du courrier dans lequel le Dieu Bato a été cité, courrier qui était retrouvé qui était net, et le jour de mon audition, 1 février, d'autres éléments étaient venus me confortaient dans l'idée que Jim Bato était dans une démarche parfaitement lugubre vis-à-vis de mon journal. J'ai dit au conseil. Mais cette confrontation entre Jim Bato et moi, qui aurait servi de faire écarter la vérité, comme dans la première affaire, ne viendra pas. Alors que je continuais toujours d'espérer, à ma grande surprise, je reçois un avertissement du CNP pour avoir accusé Jim Bato sans preuve, et le conseil lui-même engage contre des pratiques qui discute viol éthique de la déontologie. Mais respectueux des décisions du conseil, j'en ai pris acte. Sans faire comme ceux qui s'en connaissent ont acheté le CNP d'être à mon service, et qui pourtant n'ont pas hésité à balancer à tous leurs contacts le courrier adopté par le CNP à Pierre Bateau. Les pratiques dont parle le consommateur de la presse, je suppose que c'est l'enregistrement que j'ai fait pendant mes échanges avec Dieu Bato. Donc, c'est très bien. Je vois que, exploitant au bout de phrase, de l'individu totalement désemparé après les personnes de sécurité, que réussit à l'écouter en appelant quasiment à mes bannissements qui se lèvent au bec. Sur le cas précis de l'arrêtement, je vais être très clair. Je n'enregistre que les gens aux attitudes bizarres, aux discours suspects qui étudient le milieu de la presse et qui vivent sur les interventions auprès de ceux qui veulent faire leur travail correctement sans se compromettre. C'est cela que j'avais dit. Quand je parle d'un visiteur qui m'apporte une information, et que j'ai expliqué l'histoire sur laquelle il souhaite des enquêtes, je l'informe toujours que je suis obligé d'enregistrer ses propos parce que je n'ai pas le temps de noter et que cela me permettrait de mieux comprendre les choses en réécoutant plus tard, et jamais personne ne s'est opposé à cela. C'est tout clair. Mais les suspects qui tentent de me piéger, je les remercie directement.
En deux ans de présence à la tête de l'Union Chenet, je n'ai invité que deux confrères, Jules Bateau et Jean Moussa. Et cela s'est fait dans un cadre précis. Dans un contexte où nous enquêtions sur les additions de certains confrères auprès de certaines personnes. Je donne une côté avec mon nom et le nom de mon journal. Et j'assume pleinement cet acte de ce que j'ai assumé de là. En droit, c'est lui qui assume, qui apporte la preuve et la preuve de cette partie de moi. Je ne suis pas en train de crier partout que je n'ai pas apporté la preuve que je n'ai pas fait de problème. Voilà. Si je n'avais pas fait l'arrêtement, aujourd'hui, le réforme du Sénat ne serait plus. Ou il ne serait plus la même ligne de parce qu'on a tenté de me piéger, de me compromettre, de m'emballer dans une spirale de corruption dont l'objectif final était la neutralisation de la ligne de l'air national. Le fait serait de devenir un maître d'un con qui n'aurait plus les filets franches pour retarder les fossoyeurs de l'économie nationale dont le nombre de plus en plus croissant que le fait de l'impunité nous pousse au découragement. J'ai reçu plusieurs appels de presse dans ce bureau. Plusieurs de mes frères, pourquoi faire spécifiquement le méchant avec les deux vedettes qui l'ont arrêté? Il y a bien une raison pour qu'on a cela. Ceux qui ne veulent pas que je l'évangélise leur propos, qui ne viennent pas à mon bureau pour me dire qu'ils ont été envoyés par une personne qui serait proche d'un directeur général, eux-mêmes l'ont jamais vu. Quand le discours est tué et que je sens les efforts qui sont faits pour cacher la vérité, connaissant les pratiques dans le milieu, j'enregistre ce genre de discours fou. Et là, je ne tiens rien fermé. Ma propre sécurité. Donc, si je peux arrêter, je le reverrai sans fois. Si je n'avais pas fait ces investissements, les gens étaient bien capables de me mettre en demeure aujourd'hui d'apporter la preuve qu'ils ont été une seule fois de nous. C'est clair. Malgré les investissements, regardez avec quel aplomb il manque. Trêve de commentaires, revenons au courrier que le procureur de la presse a adressé à Jules Bateau et qui fait que l'ennemi est en fait depuis une semaine. Dans ce courrier, il y a ce passage extrêmement instructif. Le conseil dit, lors de cette audition, qu'il, c'est-à-dire moi avec Emoko, n'a pu apporter au conseil les preuves de ses accusations à votre rencontre. Et même que vous n'avez pu édifier, ça on parle de Jules Bateau. De même que vous n'avez pu édifier le conseil sur les raisons de la cessation brusque de cette initiative que vous avez prise afin de permettre l'équilibre de l'information. Donc, devant le CNP, Jules Bateau a dit qu'il est venu le voir parce que quelqu'un qui serait proche du délai de la tête du pays l'aurait envoyé pour tenter d'équilibrer l'information avant de tirer contre les intentions. C'est ce qu'il a dit. Donc, le conseil dit vous n'avez pas pu prouver. Les gens pour lesquels, après avoir fait la croix avec une autre, vous avez disparu. C'est pour lui qui me le parle. Quand Dieu nous a fait, il est sa victoire. Il oublie le passage, hein, ce petit passage, qui le concerne personnellement notre premier. Au cours de sa conférence de presse d'un jour, quand un journaliste lui demande quelle lecture il fait de ce petit passage, vous n'avez pas pu édifier le conseil sur les raisons de la cessation plus que cette initiative sur la reprise. Voici ce que Dieu va te dire. J'ai fait une démarche vis à la vie de l'Église à la demande d'un ennemi qui estimait que le journal de l'Église de était utilisé, instrumentalisé comme un de ses proches et il voulait porter plainte contre l'Église de l'Église. C'est clair, hein? Il dit qu'il est venu le voir parce qu'un grand frère à lui, qui serait proche du PG de la tête de paille, se serait plaint de ce que moi je m'attaquais au PG de la tête de paille. Donc, il doit porter plein trois mois pour cela. C'est très bien. Mais comme tu es un ami qui me connaît, qui sait que je suis dans la presse, il s'est ouvert à moi et je lui ai conseillé qu'il n'était pas nécessaire de se réprimer au tribunal avec un journaliste et que s'il n'était pas question, s'il n'était question que son proche en question puisse avoir la parole de l'information, on pouvait discuter avec le ministre et lui dire que c'était dans son intérêt de délivrer l'information. De faire le travail de façon professionnelle. Et c'est cette démarche que nous avons de nouveau à finir à une tentative de production. Après, je ne suis plus reparti vers une tentative de nouveau, puisque ce n'était pas une situation fondamentale. J'ai fait une démarche. On s'était accordé de se retrouver après. J'ai eu beaucoup d'activités.
Je l'ai expliqué au conseil de la presse et le conseil estime qu'il n'a pas été jugé. Moi, je laisse le conseil à son appréciation. J'ai expliqué au conseil clairement que dans la période en question, le novembre à décembre 2015, je suis appelé à gagner trois séminaires. Et un autre séminaire, le 18 au 20 décembre, à la maison de la presse. Le conseil exprime que ce n'est pas suffisant, mais je ne sais pas ce qu'il s'est dit encore. Mais je suis certain que j'ai évité, j'ai évité le conseil ou pas, ce n'est pas cela le problème. Mais puis, après que le monsieur a dit, il est persuadé que je suis allé prendre de l'argent avec le TG de la PSP. Il a dit qu'il m'a enregistré. On lui a demandé d'apporter les preuves qu'il dit avoir, il n'en a pas, et c'est cela le plus important, et c'est ce que je souhaite, et le plus important. Voilà la réponse de Dieu de la PSP par rapport à ce bout de phrase du TG. Cher frère, je sais que vous l'avez remarqué, il a tenté de minimiser ce passage. C'est pourtant capital. C'est même le lieu du problème. Et il souhaite que le client ne s'attend pas dessus, mais il sait que je l'ai accusé à tort. Son attitude me rappelle celle de trois ministres sur la ville de Régis. À moi, dans mon bureau, il m'a dit que c'est la ministre Sabanelli qui l'a envoyé pour me remettre de l'argent. On l'a fait chier, il me dit non, ce n'est pas la ministre, mais c'est à la fin qui l'a envoyé. Le reste de l'agent de la part du Cabanelli. Qui leur a dit? Alors, il a dit c'est à la fin qu'il m'a envoyé voir avec le mot. Mais en réalité, à la fin, il a fini d'envoyer un SMS à l'un des animateurs. Le SMS est lui à l'antenne et à la fin, il dit que ce n'est pas lui qui a envoyé ça, il m'a envoyé voir avec le mot. En réalité, mais quand on est drôle, si ce SMS dit qu'il s'agit d'une contradiction mineure, et que ce n'est pas cela, c'est le problème de fond. Mais si, c'est le problème de fond. Il dit que c'est a envoyé. Que quelqu'un dit qu'il ne t'a pas envoyé, et toi tu trouves que c'est lui qui t'a fait une erreur. Mais qui t'a envoyé aussi? Tu veux ma faute? Bref, nous reviendrons. Revenons à la réponse de Jimmy Bateau. Et je dis que c'est à ce niveau que je regrette que le CDC n'ait pas organisé une confrontation entre Jimmy Bateau et moi. D'abord, sa réponse, dans sa réponse, il y a un passage qui me fait des capacités intellectuelles. Il dit qu'il a fait une démarche auprès de moi à la demande d'un ami qui estimait que mon journal était utilisé, instrumentalisé contre un de ses proches et que ce dernier voulait porter plainte contre moi. Est-ce qu'il comprend lui-même ce qu'il raconte? Comment est-il existant de cette expression en droit? Pas d'intérêt, pas d'action. Alors, comme ça, quelqu'un qui mon journal n'a jamais écrit un article, voulait qu'on le poursuive. En dit parce que j'ai écrit contre un de ses proches. Et ce proche est un mineur. Au point où c'est le nom du Jimmy Bateau qui doit agir à place. Alors, il y a une qualité de plus. Et donc, le Jimmy Bateau aurait convaincu le dernier de m'épargner un procès alors que je n'ai rien écrit dans mon journal de procès. Et ça, il faut que je le dise très bien. Je n'ai pas le dire, mais Jimmy Bateau n'est pas très futile. Vous voyez, je me suis le dit. Ensuite, sans rentrer dans les détails, et puisque je ne l'ai pas dit qu'il a tenu en tête le parallèle entre le sentiment de l'institution et le fait de tomber dans l'affaire, donc il y a un peu de temps dans lequel j'en parle, et qu'on fait le tour au tribunal. Voilà ce qui s'est passé exactement. Et ça, je l'ai fait. Entre le 1er et le 14 novembre 2013, je ne l'ai pas fait m'appeler à plusieurs reprises. Et comptait chaque fois de tenir un rendez-vous avec moi. Finalement, le 14 novembre, dans la soirée, il m'a appelé et a tellement insisté que j'ai décidé de le recevoir le lendemain à 15h à mon bureau ici. C'était un jour sérieux. Je n'ai pas de quel chef il s'agissait, mais en tout cas, c'était un jour sérieux. C'était la fin de la paix. Voilà. C'était la fin de la paix. C'était sérieux. Je l'ai reçu à 15h. Et lui, avant de vous aller, il y a connu trop facile. Comme il y a une dernière là-bas, c'est encore plus simple. Quand il est arrivé, Dieu Bateau m'a déclaré qu'il avait été mis en mission par un grand frère qui serait le PG du ce qu'on appelle Afrique. Bon, je ne sais pas, on m'a dit que c'est lui qui faisait faire à bien lumière, je ne sais pas. Voilà. Donc, le seul aîné aurait un petit, un petit, qui n'est autre que le PG de la caisse de Paris. Un bébé qui, que lui, Jimmy Bateau, ne connaissait pas et ne l'a jamais vu de sa vie. Voilà quelqu'un qu'on a mis en mission, quelqu'un qui ne l'a jamais vu. Et lui disait.
Il dit que le juge d'Apollon souhaite que lui, Dieu Mbappé, obtienne mon accord pour un rendez-vous chez lui à la maison. Hein? Rencontre au cours de laquelle il serait venu me payer la caisse de paille pour que qu'on échange et qu'on trouve une solution par rapport aux articles de l'imposition sur le métier en question. Il faut préciser que à la date du 13 septembre, les femmes chérées avaient prévu deux dossiers sur la gestion du budget de la caisse de paille. Et chaque fois, nous avons pour le soin de lui adresser un courrier pour solliciter sa réaction. À deux reprises, il les avait renvoyés à compléter la communication et les résultats de ce dernier avaient été publiés dans un autre journal plus consécutif. Et de cette situation-là, la réalité en chef est là. C'est eux qui sont partis à la caisse de paille pour entendre le sujet lequel je l'ai ramené à son utilité de communication. Donc, on a pu utiliser les informations qu'on a dessus. Donc, si Dieu m'a fait, il ne pas présent, il s'est constitué et s'est obtenu un quelconque étude de l'information. Il n'a pas grand-chose à nous apprendre à la matière. Et puis, ce n'est pas le rôle de Dieu m'a fait, c'est leur terrible. Si quelqu'un est ainsi, il ne lui a pas donné la parole, la langue lui offre des possibilités. Il peut faire un droit de réponse. En plus de la réponse, il peut se dire le régulateur qui est sur le tribunal a violé des textes de loi et c'est une déontologie. Il peut poursuivre aussi le tribunal en justice pour diffamation. Tout ça, c'est des voies que la loi a établi et les personnes qui sont diffamées. On n'a pas besoin d'envoyer des bateaux en mission pour tenter d'obtenir le tribunal de diffamation. Ce n'est pas son rôle. Donc, le tribunal de diffamation obtient après 17 minutes de soins. Il se respecte l'enlèvement. Mon accord pour une rencontre avec celui qui m'aurait envoyé et qui serait le juge de la confiance. Il me dit que de chez moi, de mon bureau, il serait directement le juge de la confiance et qu'il appellerait au bout de 2 heures pour me donner le lieu et l'heure de la rencontre. En l'accompagnant à sa voiture, il me mettait en force là. Mais du 15 au 20 novembre, je me battais de donner la petite de vie. Je ne le rappelle pas. Quand les jeunes, je le dis, je courais dans le ciel, seulement SD, je fais des suppositions sur son attitude, et c'est pour cela que je dis que Dieu Mbappé ne peut pas se prévaloir de cette attitude. Parce que si le courrier a été reçu le 29 novembre et envoyé à la même date à mes présents, l'histoire n'est pas là. Il n'y a pas écrit une seule ligne sur la tête de paille. Du 15 novembre, au bout de décembre, alors que les informations continuent à faire cette banque continue de venir par le lit, le 15 décembre, soit un mois après le passage de Dieu Mbappé à mon bureau, nous apprenons une petite pointe de cette banque qu'à l'interne, il se racontait que les enfants de chérie auraient été gérés. Voilà pour la petite évidence. Il veut nous voir, pour nous rencontrer, pour donner la porte du soirée. Et puis on apprend, c'est à la fin de la porte qu'on est à gérer, c'est ça que le petit regard. Donc, nous on apprend ça et. La suite qui nous donne l'information, c'est des ordres. D'après, c'est alors qu'il y a cette question, nous aussi, on n'a même pas dit que la vie est en fait sur la capacité. Mais en fait, c'est ça, on fait ça. Moi, c'est des femmes. Donc, des ordres de questions, eux ne se sont pas fait qui avait laissé traîner cette information dans les pouvoirs de la fin. Nous décidons de cette publication. Et le préparateur, on va aller de la suite en vain, et ça, c'est la suite qui est devant elle. Je fais une petite annonce sur l'article portant sur la gestion de la tête de paille. C'est un appart. C'est tout ce qu'on fait. On dit, il y a une autre cour, Dieu m'a fait venir voir la disparue, on dit, oui, il a eu la gérée. On va faire une annonce où dit qu'il va y avoir une autre cour, on va voir ce qui va réagir. Donc, il m'a dit du 7 décembre. Dans les temps que le 213, on va dire, on ne va pas parler. Dans les temps que le 213, nous publions une annonce suivante. Cette dépaille, à quoi joue de rattraper Mama. On décide agir dans les fonds de semaine du vendredi 5 décembre.
C'est assez normal, étant le deuxième acteur de la vie. Mais j'étais du bloc détendu, c'est-à-dire à l'envers de la publication de l'article. Un monsieur, qui lui a envoyé par le deuxième acteur de paille, arrive à l'autre acteur. Et tant d'accepter la parole du journal ou du jugé, dans le salon, un article déjà écrit, et relatant les actions sociales posées par le deuxième acteur de paille. Et c'est parce que je suis dans ce que je ne sais pas. L'article a l'air de plus de la vie plutôt. Et il vient ici, il est venu à ce journal, et il a acheté la colonne du journal pour mettre le lien de BG à la campagne. Et là, il s'est témoigné. Il a dit, je n'ai rien fait en récemment. Et je l'ai dit, parce qu'on peut se faire faire. Donc, nous, le sujet, là, finalement, le monsieur nous dit, il souhaite que l'article a monté sur la terre de Paris, le papier publié, et qu'il est prêt à faire les nécessaires pour. Donc, il veut le monter l'article qu'on a monté le papier publié, et qu'il est prêt à agir pour. Nous décidons aussi cette demande. Mais nous acceptons, pour prendre un centime, de publier son article à la page du journal apparaît, mais en l'exclusion de tous les passages de la, à la voie du BG, de la terre de Paris, et même en n'existant pas son nom. Je tiens à vos discussions et vous avez fait l'envoyer. Avant de partir, le monsieur insiste encore pour ne pas que l'article en soit publié. Et de l'explication, nous demande à tout hasard s'il avait été envoyé par Jim Basson. Mais l'homme ne répond pas clairement à la question. Finalement, il s'annula sans le libre de répondre. Je réponds de tout ce que je vais lui dire. Mais c'est déjà qui s'est fait passer, c'est le salut ici, le 714, et c'est déjà au montage. À 19h30 minutes, pour le public, pendant que nous travaillons sur la ligne libérale, nous portons somme de devoir être tiré du but. Il apparaît. Je lui demande de me rappeler et que je sois du gaz. Dès que je rapporte, je forme des indications et des collaborateurs. Je rappelle que je viens de rappeler. En fait, il me dit le lien entre cette réapparition et la moindre sur laquelle je parle pour le lendemain. Il y a 20h30, je lui rappelle, je rappelle, mais je ne suis toujours pas disponible. À 22h passé, le mois est bon, mais en tout cas, je l'ai affiché, je lui rappelle, je rappelle encore. Et me supplie de venir dans le monde, me supplie d'accepter de rencontrer quelqu'un. Le lendemain matin, à 8h, je passe au débat. Donc, je ne pourrais pas célébrer ce rendez-vous. Mais finalement, je donne un rapport. Mais dès que je rapporte, je fais mon portable et je dis que le lendemain à 13h. Et je donne pas à ce rendez-vous, d'autant plus que l'article annoncé a été effectivement publié. Mais il n'y avait rien de pratique contre le lendemain à 13h. Il y avait aussi, c'était juste un appart au débat qui a mort. Voilà. Je ne peux plus dire à ce. Les jours qui ont suivi, bien, j'ai été géré d'après une tête avec lui en voyage entre le 15 novembre et le 19 décembre. Il n'avait ni le pays, ni pour l'Abidjan, ni pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un mensonge. Alors, vous me demandez certainement, est-ce que vous avez arrêté les coups de feu de 17 minutes? Il répondait non, ce n'est pas fait. Mais comme le géré d'après n'a pas encore décidé s'il va me poser en justice ou par la voie de passer très simple, ce sera facile de trouver cela au cas où il était possible. Si tu voudrais que le président de la République demande que le travail de le pays, moi je vais t'appeler pour qu'on découvre combien de fois il m'a appelé entre le 1er et le 20 décembre. Il voudrait expliquer pour chaque coup de fil qu'il m'a passé dans cette période. Quand je l'ai reçu à mon bureau, il a même expliqué pour que je lui communique un deuxième numéro et que selon lui, il n'y avait pas à m'avoir facilement sur mon numéro orange. Et je lui ai communiqué le numéro de mon trouvé. Donc, pourquoi le président dit que Jean Baptiste n'a pas, il n'a pas édifié sur les raisons de sa disparition? Pendant plus d'un mois, après qu'il m'a obtenu un accord pour aller rencontrer son ami, qui, à tout étendu, voulait me poursuivre dans l'étude sans raison. Il lui a présenté qu'il avait trois séminaires pendant cette période. C'est tout directement. Et cela l'empêchait, pendant un mois, il s'est dit d'être amené du monde de m'appeler pour m'expliquer l'erreur de sa religion et de son client. Et je voulais lui donner les populations. Et tout ça ne s'est pas arrivé. Voilà ce qu'on fait, il s'est passé avec le président. À ma place, quel événement avez-vous tenu de la vie de la vie? C'est dans un contexte où la première affaire de corruption venait de claquer. Je précise que le courrier dans lequel j'ai signé le Jim Baton a été reçu dans la nuit
29 au 30 novembre. Et qu'il a été publié de mettre après la deuxième TMP dans la première affaire, soit le 16 janvier 2014. Et donc, ce qui ne comportait pas les délits de développement sur le plan de l'émission du Sénat. Il fait de cela, mais quand même, il explique. Je ne l'ai pas accusé d'avoir fait le compte. Je l'ai discuté, j'ai dénoncé son attitude suspecte qui n'était pas expliqué. D'ailleurs, il n'a pas réussi à prendre le conseil sur les raisons de sa disparition. Mais comme il dit que ce n'est pas cela le plus important, oui, je voudrais lui dire que j'ai dit du cela de fou sur l'habitude suspecte. Au niveau de la presse, on sait comment les choses fonctionnent. Parfois, les confrères ils mettent eux-mêmes en mission. Et quand ils sont les presse, on les compte sur une société qui ne les a même pas envoyés. Puis, après avoir réussi à éviter la situation des dossiers, ils passent voir des dossiers et tentent de mobiliser de l'argent. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. C'est donc pour devenir des vrais experts dans cette matière. Depuis, il y a chaque jour, tous les jours, à la recherche d'annonces, d'articles sur les dossiers, sur les dossiers. Dès qu'ils sont sur les annonces, ils vont voir quel est le dossier de plus que le journaliste qui travaille sur le dossier en question ou le patron du journal, elle est ceci, et qu'avec une telle série, il peut stopper la publication du statut ou tous les parties de l'air des vidéos de son contenu. Et à partir de le milieu, tout le monde les connaît et les plus de biais qui sont fabriqués de bonnes bateaux ne changeront rien. Et là, ça va prendre à l'idée. Donc, je vais vous depuis les faits. Qu'est-ce qui s'est passé avec la rédaction du courrier et après la rédaction du courrier? Je viens de vous décrire le comportement de ce jeune bateau qui a eu de voir. C'est cet homme-là qui, depuis une semaine, traîne dans la boue. Ma critique les habitudes négatives qui sont dans mon tabulaire. J'attends qu'il mette en route son projet de danger, mais aussi dans mon village. Et que je ne continue plus à mettre en danger des missions auprès des patrons de presse avec qui il serait toujours. Et il est toujours compris. Je voudrais rappeler à Dieu Mathieu que je suis un patron de presse et membre du GECI. Et que toute démarche qui va mener auprès de moi est faite dans le cadre de la solution de la société générale de Sinarchi. On dépend dans le droit de l'économie. En dehors de cela, il n'a pas à venir auprès d'un patron de presse pour le compte de quelqu'un qui n'est pas journaliste. Puisqu'il est au cours de son presse, il a dit qu'il est en train de faire dans le Sinarchi, mais il ne voit. Donc, c'est à ce titre qu'il est venu le voir. Pour trahir les membres de ces syndicats en dispositif pour mener notre mission bénévole, entre guillemets, et le compte des personnes qui ne sont même pas rassemblées. Par ailleurs, il devrait avoir honte sur Dieu de la paix. Je reste à sa place et je me cacherai au lieu. Et les journalistes allaient le voir. Depuis, je ne sais combien de siècles. Il devrait peut-être songer le plan de ses propres journalistes et définir les responsabilités d'un patron de presse plutôt que de continuer à faire l'esprit dans ce syndicat. Mais bon, on n'a pas le même dans ce pays. Il est donc bien connu de voir que l'autre voit comme chacun de ses est un village de combat politique dont la vie est un point d'ambiguïté. Démontrer au quotidien l'état du parti de pouvoir, révéler les scandales dans la gestion de l'état de l'IRD afin de démontrer les chances du pays de revenir au pouvoir. Mais Dieu va lui, tout en étant notre pouvoir, tout en faisant contact à notre pouvoir, accepte dans les polices eux-mêmes, notamment, de mener des militaires vitesse et de nouveau et de l'état de l'état de l'IRD. Tout en critiquant le lendemain de la on est de voir les jeunes de pouvoir, quelle hypocrisie et quel manque de type. Et c'est lui qui veut oublier ce qui est le plus de métier. Cela est tout par le devoir de vrai de l'autre pouvoir. Car si c'est au fait de l'Église comme il le fait, alors il a raison de tout au fait de métier. Sinon, en vérité, il y a tout celui qui n'a pas sa place dans le métier. Et c'est pour cela qu'il pense que son site de l'Église de l'Église de l'Église de à toutes les études qui sont les parents de presse. Je me demande même s'il mérite encore de diviser ce syndicat après avoir utilisé son site pour mener des missions non prévues par les textes du syndicat. Et que le site de la tête de paille n'est pas clair. Pour finir, j'ai une question et Dieu m'a fait. Et je veux que chacun comprenne mieux sa vie et sa vie. Je vais vous donner ma tête si je n'ai pas de question contre moi, puisque je suis manifestement à la maladie de Dieu. J'ai mis à renoncer à sa tête. Et pourquoi? C'est de tout parfait. Je vais te donner la photo de j'avais pris l'engagement, c'est inventé par la mise de cette pièce publique de la tête de paille. C'est un vrai, c'est une vraie d'une bateau, et une tête de cette pièce. Il faut qu'il explique ce que c'est que cette pièce. C'est une partie de la pièce et les coups de l'Égypte à la suite en se faisant passer pour une pièce de moralité. C'est la cause de ce genre de début que la presse de la reine a mauvaise tête, c'est le thème de la pression. Et justement, je représente aujourd'hui une vraie menace pour la survie. Et là, tu dis, parce que le texte, le troisième texte,
Certaines pratiques ont tendance à faire du terrain et la vie devient de plus en plus dure pour ceux qui vivaient ces pratiques dans les temps, depuis des décennies. D'où la haine qui nous joue aujourd'hui et les projets de l'immigration publique qui nous nourrissent depuis quelques semaines étant les théories des parvenus. Du coup, a donc raison de dire que je suis un espion. Un espion venu pour mettre le chef de l'économie. La mafia qui règne dans la presse n'aura pas raison de moi. Et ce n'est pas lui qui me rapproche, qui me rapproche. Ce combat-là, il a déjà perdu parce qu'il n'est pas dans la vérité, parce qu'il n'a rien créé, parce qu'il n'a pas de tous les référents en matière d'identité en Côte d'Ivoire. Sa marque déposée, ce sont des chutes dont il est le maître absolu. Il ne veut plus me voir. Moi, il ne veut plus me voir. Je ne l'ai jamais appelé. C'est lui qui est venu à mon bureau, il n'avait qu'à être sur lui. Tout ça ne s'est pas arrivé. On n'est pas de la même génération et il ne veut pas. Je ne comprends pas. On prend sa conception de l'identité. Lui, il pense que les islamistes étaient toujours le faux. Moi, je pense que les islamistes est devenu sur la transparence dans la gestion de l'économie. Je ne sais pas lequel